Cher élève de la quatrième année, terminale, en section maths, section sciences de l'informatique, on va poursuivre le thème interaction onde matière. On va commencer la partie de la réflexion d'une onde mécanique qui concerne ces deux sections. On va commencer par la situation suivante. Quel est le comportement de l'onde lorsqu'elle rencontre un obstacle qui arrête sa progression? On va exploiter ensemble la vidéo de la réflexion d'une onde plane pour observer le phénomène de réflexion. On place un barreau dans la cuve pour observer comment l'onde plane se réfléchit sur un obstacle. Observez le changement de direction des fronts d'onde après la réflexion. Si on trace la droite perpendiculaire à la surface réfléchissante, la direction de propagation de l'onde incidente et la direction de propagation de l'onde réfléchie, on constate que l'angle de réflexion est égal à l'angle d'incidence. On peut aussi constater que la longueur d'onde n'a pas changé après réflexion. Voici une situation avec un autre angle d'incidence. On vérifie toujours bien que l'angle de réflexion est égal à l'angle d'incidence. On va reprendre de nouveau la vidéo pour bien assimiler le phénomène de réflexion. On place un barreau dans la cuve pour observer comment l'onde plane se réfléchit sur un obstacle. Observez le changement de direction des fronts d'onde après la réflexion. Si on trace la droite perpendiculaire à la surface réfléchissante, la direction de propagation de l'onde incidente et la direction de propagation de l'onde réfléchie, on constate que l'angle de réflexion est égal à l'angle d'incidence. On peut aussi constater que la longueur d'onde n'a pas changé après réflexion. Voici une situation avec un autre angle d'incidence. On vérifie toujours bien que l'angle de réflexion est égal à l'angle d'incidence. À partir de la séquence vidéo, on peut conclure qu'une onde incidente progressive plane d'angle d'incidence I, de longueur d'onde lambda, qui se propage dans un milieu de propagation, subit une réflexion au niveau d'un obstacle plan et donne naissance à une onde progressive, plane réfléchie, de longueur d'onde lambda prime. Donc si je vois la figure, c'est la longueur d'onde lambda, c'est la distance parcourue par l'onde pendant une période. C'est une longueur d'onde incidente. La direction de l'onde incidente. Au point I, on trace la normale de l'obstacle. Donc on voit bien que le phénomène de réflexion, le phénomène de l'onde incidente se trouve dans le même plan. Vous voyez bien la direction de l'onde réfléchie. Et dans notre cas, on constate que lambda égale à lambda prime, I égale à I prime, qui nous rappelle la deuxième loi de Descartes relative à la réflexion dans le cas d'un rayon lumineux en contact avec un miroir plan sous un angle d'incidence I. Maintenant, chers élèves, on va traiter ensemble le phénomène de réfraction d'une onde mécanique, soit la situation déclenchante suivante, comment se comporte une onde lorsqu'elle rencontre un second milieu dans lequel la vitesse de l'onde est différente de celle du premier. On voit ensemble aussi une séquence vidéo pour cette partie. On place un morceau de plexiglas dans la cuve de façon à réduire la profondeur de celle-ci. On observe le changement de direction des fronts lorsque l'onde progresse dans un milieu moins profond. On constate également que la longueur d'onde, la distance entre deux fronts d'onde, a changé. Le changement de direction pris par l'onde quand elle passe dans un milieu différent s'appelle la réfraction. Ici, l'onde se déplace à une vitesse qui dépend, entre autres, de la profondeur de l'eau. Quand l'onde arrive au niveau du plexiglas, sa vitesse change et c'est ce changement qui est à l'origine du phénomène de réfraction.
On comprend également que la longueur d'onde change si on se rappelle la relation qui lie la longueur d'onde, la fréquence et la vitesse de l'onde. La fréquence de l'onde f reste constante. Si la vitesse de l'onde diminue lorsqu'elle arrive au niveau du plexiglas, la longueur d'onde diminue également. La loi de la réfraction est donnée par la relation suivante. Le sinus de l'angle d'incidence divisé par le sinus de l'angle de réfraction est égal à la vitesse de l'onde dans le premier milieu divisé par la vitesse de l'onde dans le deuxième milieu. On va visualiser ensemble pour la deuxième fois la séquence vidéo pour bien voir le phénomène de réfraction. On place un morceau de plexiglas dans la cuve de façon à réduire la profondeur de celle-ci. On observe le changement de direction des fronts lorsque l'onde progresse dans un milieu moins profond. On constate également que la longueur d'onde, la distance entre deux fronts d'onde, a changé. Le changement de direction pris par l'onde quand elle passe dans un milieu différent s'appelle la réfraction. Ici, l'onde se déplace à une vitesse qui dépend, entre autres, de la profondeur de l'eau. Quand l'onde arrive au niveau du plexiglas, sa vitesse change et c'est ce changement qui est à l'origine du phénomène de réfraction. On comprend également que la longueur d'onde change si on se rappelle la relation qui lie la longueur d'onde, la fréquence et la vitesse de l'onde. La fréquence de l'onde f reste constante. Si la vitesse de l'onde diminue lorsqu'elle arrive au niveau du plexiglas, la longueur d'onde diminue également. La loi de la réfraction est donnée par la relation suivante. Le sinus de l'angle d'incidence divisé par le sinus de l'angle de réfraction est égal à la vitesse de l'onde dans le premier milieu divisé par la vitesse de l'onde dans le deuxième milieu. Chers élèves, on va retenir à partir de cette simulation qu'au niveau de la surface de séparation de deux milieux de propagation, l'onde mécanique subit un changement de direction. Voilà le changement de la direction. C'est le sens de mouvement rectiligne, de l'onde rectiligne incidente. Changement de direction de propagation, c'est le phénomène de réfraction. La réfraction d'une onde mécanique se fait avec un changement de sa longueur d'onde lambda. Vous voyez que lambda 1 est supérieur à lambda 2. La réfraction d'une onde mécanique est régie par la relation de Descartes suivante, que sinus I sur sinus R est égal à lambda 1 sur lambda 2. Donc, voici la relation suivante, où lambda 1 et lambda 2 représentent respectivement la longueur d'onde incidente et la longueur d'onde réfléchie. I, c'est l'angle incident, et R, c'est l'angle, réfléchi, qui nous rappelle la deuxième loi de Descartes relative à la réfraction. On va prendre maintenant le cas où I égale à 0, c'est l'angle d'incidence. Qu'observait-on? On va exploiter l'animation sur la réfraction d'une onde plane pour observer une onde transmise. Voilà notre phénomène. Donc vous voyez bien qu'on a un phénomène de diffraction. Donc si je varie I de 25 à 0, qu'est-ce qu'on constate? On constate que dans le milieu 2, on a une propagation d'une onde rectiligne. Mais de longueur d'onde lambda 2 est inférieure à longueur d'onde lambda 1. Pour quelle raison? Car la vitesse du milieu 2 est inférieure à la vitesse dans le milieu 1. Maintenant, on va étudier ensemble la dispersion qui concerne la section mathématique, la section sciences de l'informatique et la section sciences expérimentales. Petit 1, on va commencer par la dispersion de la lumière blanche. On va exploiter une animation prisme pour observer le phénomène de dispersion de la lumière blanche et la comparer à une lumière monochromatique. On va visualiser cette simulation qui concerne une lumière monochromatique et une lumière blanche. Considérons un rayon lumineux monochromatique
arrive sur le prisme, il subit une première réfraction sur la face d'entrée du prisme lors du passage de l'air dans le verre. Il se rapproche alors de la normale de cette face. Le rayon subit alors une deuxième réfraction sur la face de sortie du prisme lors du passage du verre dans l'air. Cette fois-ci, le rayon diffracté s'éloigne à la normale de cette face. Donc, le faisceau ressort du prisme devient d'un angle D par rapport au rayon ainsi incident. On peut changer la couleur et on obtient le même phénomène. Monochromatique, c'est mono, c'est-à-dire un, ou chromatique, c'est-à-dire couleur. Donc, une seule radiation. Si je passe maintenant un faisceau de la lumière blanche, c'est-à-dire une lumière polychromatique. Elle est formée par plusieurs couleurs, c'est-à-dire plusieurs radiations. Arrive sur le prisme, chaque radiation de longueur d'onde différente qui constitue la lumière blanche se comporte comme une radiation monochromatique. Et vous voyez bien qu'on obtient sur l'écran les couleurs de l'arc en ciel. Donc, toute déviation différente, puisqu'elle possède des fréquences différentes. On conclut que la lumière blanche est ainsi décomposée en fonction de différentes longueurs d'onde de radiation qui la constituent. À chaque longueur d'onde correspond une couleur différente et on obtient ainsi un spectre continu constitué de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, le rôle du prisme, c'est de décomposer la lumière blanche en plusieurs couleurs, en plusieurs radiations, et ne possède pas la même déviation, car n'ont pas la même célérité, V. Donc, qu'est-ce qu'on va retenir? On va retenir que chaque radiation lumineuse monochromatique de fréquence nue est caractérisée par une longueur d'onde dans le vide noté par lambda 0. En pénétrant dans un milieu transparent d'indice n, où la célérité de la lumière est v égale à c sur n, sa longueur d'onde devient lambda égale à v fois t avec t, c'est la période, et v, c'est la célérité. Donc, la longueur d'onde lambda, c'est la distance parcourue par l'onde pendant une période, qui est égale aussi à v sur n. Or, l'expression de la vitesse est égal à la célérité de la lumière sur n. Que représente c? C'est la célérité de la lumière et n sur l'indice du milieu transparent. Et on obtient la relation suivante, lambda égale à lambda 0 sur n. Le phénomène de dispersion de la lumière est la variation de sa célérité v dans un milieu transparent d'indice n en fonction de sa fréquence. Ainsi, la déviation d'une radiation lumineuse monochromatique par un prisme envers d'indice n dépend sa fréquence nue. Tout milieu transparent d'indice de réfraction n, où la célérité d'une radiation lumineuse dépend de sa fréquence, est appelé milieu dispersif. Comme exemple, comme tout à l'heure, on a pris le prisme qui est constitué en verre, donc le verre est un exemple du milieu dispersif. On va passer maintenant ensemble à la dispersion des ondes mécaniques. Si maintenant, cher élève, on change la fréquence n, soit du milieu 1, soit du milieu 2, qu'est-ce qu'on va observer? Vous voyez bien que la fréquence est égale à 1,18. On constate que la longueur d'onde varie, n'est pas la même. Si je prends une deuxième fréquence, telle que n égale à 0,67. Vous voyez bien que l'onde transmise, mais la longueur d'onde n'est pas la même. C'est-à-dire que la vitesse dépend de la fréquence, car la longueur d'onde est égale à v sur nu. On conclut donc que la célérité v d'une onde mécanique dans un milieu de propagation donné ne dépend pas uniquement de la nature de ce milieu, mais dépend aussi de sa fréquence n. On dit qu'il s'agit du phénomène de dispersion d'ondes mécaniques. Et on passe maintenant à une évaluation. Donc, notre évaluation. Je commence par la première partie. La première question, donnez quelques
caractéristiques des ondes mécaniques et des ondes lumineuses, appelées aussi des ondes électromagnétiques. On réfléchit un peu. Je passe maintenant à un petit tableau. Pour les ondes mécaniques, ces ondes ont besoin d'un milieu matériel pour se propager, tel que l'air et l'eau. Or, les ondes lumineuses n'ont pas besoin d'un milieu matériel pour se propager. Elles se propagent dans le vide. Les ondes mécaniques, pour les ondes mécaniques, les célérités des ondes mécaniques sont faibles comparées aux célérités des ondes lumineuses. Exemple, la célérité du son dans l'air est 340 mètres par seconde. La célérité du son dans l'eau est à peu près 1500 mètres par seconde. Et la célérité du son dans l'acier à peu près 6000 mètres par seconde. Par contre, la célérité d'une onde lumineuse dans l'air est 3 à 10 à la puissance 8 mètres par seconde. La célérité dans l'eau est 2,2 à 10 à la puissance 8 mètres par seconde. Et la célérité dans le verre est 2 à 10 à la puissance 8. On passe maintenant à la question suivante. Quel est le domaine, selon la longueur d'onde, lambda, de la lumière visible? Donc, on voit bien que la lumière visible, pour un violet 400 nanomètres, est égale à 400 fois 10 moins 9 mètres, et 800 nanomètres, c'est le rouge, égale à 810 moins 9 mètres. C'est le domaine visible. On passe à la question suivante. Le phénomène qui permet de mettre en évidence le caractère ondulatoire de la lumière. Et on va cocher ensemble la bonne réponse. Je commence après par la correction de cette question. Donc, le phénomène de réflexion impossible, c'est le phénomène de diffraction. Maintenant, si on regarde la figure ci-dessous, on obtient par diffraction d'un faisceau lumineux un obstacle de petite taille, l'ouverture est soit un trou carré, soit une fente rectangulaire fine, soit un trou circulaire ou un trou triangulaire. Donc, on a vu tout à l'heure, pour le phénomène de diffraction, il s'agit d'une fente rectangulaire. Je passe à la question suivante. La lumière est une onde mécanique, électromagnétique, qui peut se propager dans le vide, qui peut se propager dans un milieu matériel, qui ne peut pas se propager dans un milieu matériel. On peut réfléchir un peu. Et la réponse est la suivante. La lumière est une onde électromagnétique. La lumière qui peut se propager dans le vide. Et la lumière qui peut se propager dans un milieu matériel tel que l'onde mécanique. Soit la question suivante. Un faisceau de lumière monochromatique de longueur d'onde lambda, égale à 620 nanomètres, arrive sur un obstacle percé d'une fente verticale de largeur A, l'écart angulaire θ est égal soit à 6,2 10 moins 3 radians, 50 degrés, 6,2 radians et 8,24 10 à la puissance 2. On va prendre quelques secondes pour réfléchir. D'après le cours, θ est égal à lambda sur A. Et par suite, notre valeur est 6,2 10 moins 3 radians. Je passe à la question suivante. Quand la lumière passe d'un milieu à un autre d'indice optique N différente, est-ce que la fréquence de la lumière est modifiée? La largeur d'onde de la lumière est modifiée? La couleur de la lumière est modifiée? La célérité de la lumière est modifiée. Cochez la bonne réponse. Je vous attends, mes élèves. Donc, on passe à la réponse. C'est la longueur d'onde de la lumière est modifiée et la célérité de la lumière est modifiée. La question suivante. Un faisceau de lumière monochromatique de longueur d'onde lambda égale à 620 nanomètres arrive sur un obstacle percé d'une fente verticale de longueur d'onde A.
La figure de diffraction est obtenue soit horizontale, soit verticale. Cochez la bonne réponse. On peut faire un petit rappel au cours que les tâches se trouvent horizontales ou bien perpendiculaires à la fente. Donc, or, notre faisceau de lumière monochromatique d'onde 6 arrive sur un obstacle percé d'une fente verticale. Donc, elle est comment? Elle est horizontale. Je passe à la question suivante. Un milieu 1 a un indice optique N1 supérieur à l'indice optique N2 d'un milieu 2. Une lumière de longueur d'onde lambda dans le vide passe du milieu 1 au milieu 2. Cochez la bonne réponse. La longueur d'onde lambda 1 de la lumière dans le milieu 1 est plus grande que la longueur d'onde lambda 2 de la lumière dans le milieu 2. Ou la longueur d'onde lambda 2 de la lumière dans le milieu 1 est plus petite que la longueur d'onde lambda 2 de la lumière dans le milieu 2. Ou bien la longueur d'onde ne dépend pas du milieu dans lequel se propagation de la lumière. Par conséquent, lambda 2 égale à lambda 1. On peut réfléchir un peu. On fait un petit rappel de cours. Que V est égal à C sur N, avec C la célérité de la lumière et N l'indice de réfraction. Avec une petite réflexion, on trouve que la longueur d'onde lambda 1 de la lumière dans le milieu 1 est plus petite que la longueur d'onde lambda 2 de la lumière dans le milieu 2. Dans l'eau, la longueur d'onde d'une radiation de fréquence 5,09 10 à la puissance 14 Hz vaut 442 nanomètres. Quel est l'indice de l'eau donné à la vitesse de la lumière dans le vide? Et c'est 3 10 à la puissance 8. Soit N égale 0,76, soit N égale à 1,1, soit N égale à 1,3 ou N égale à 1,5. On réfléchit un peu. Donc, la bonne réponse, c'est N est égal à 1,3. Je passe encore à cette situation. Une onde circulaire touche une fente. Parmi les propositions précises ci-dessous, quelle est celle qui est correcte? Justifiez le choix réalisé. Donc, vous voyez bien qu'on a une onde circulaire telle que la largeur de la fente est supérieure à la longueur d'onde. Une onde incidente circulaire aussi, mais la fente, la valeur de la fente A, l'ouverture de la fente, c'est-à-dire, est pratiquement égale à la longueur d'onde lambda. Qu'est-ce qu'on observe? Par contre, dans la troisième figure, on a une onde circulaire, on obtient une partie rectiligne et l'ouverture de la fente est très supérieure par rapport à la longueur d'onde. Pour le quatrième cas, l'onde part de la fente est rectiligne. Et la cinquième, de même, même la fente est de l'ordre de grandeur que la longueur d'onde, on a une partie rectiligne. Notre cours nous dit que le phénomène de diffraction est appréciable à partir de la longueur d'onde, à peu près égal à lambda. Donc, la réponse est la figure numéro 2. Donc, on va traiter une petite partie qui représente une culture scientifique. Vous voyez bien l'émetteur, notre montagne, dont l'épaisseur de la montagne est faible par rapport à la longueur d'onde de l'émetteur, et on obtient le phénomène de diffraction. On va lire ensemble cette partie-là, c'est une partie culturelle. On peut le trouver comme un document scientifique. Les émetteurs radio utilisent plusieurs types d'ondes pour transmettre leur émission à plus ou moins longue distance. Les ondes dont la longueur d'onde est kilomètre, telles que lambda à peu près est égal à 1000 mètres, sont émises par des émetteurs très puissants de plusieurs mégawatts. Elles peuvent parcourir des distances de l'ordre de 1000 km. C'est le choix réalisé par des stations telles que France Inter ou RTL.
Ces ondes sont facilement diffractées par des obstacles tels que D. D est inférieur à lambda, à la surface de la Terre, dont elles suivent la courbure. Les émetteurs en fréquence modulée, FM, utilisent par contre des ondes métriques telles que lambda est à peu près égal à 1 mètre, et de l'ordre de quelques mètres. Celles-ci peuvent parcourir quelques dizaines de kilomètres et sont émises par des émetteurs peu puissants, de quelques dizaines de watts. Ces ondes sont peu diffractées par les obstacles, car D est supérieur à lambda. Elles se propagent donc en ligne droite, elles ne suivent pas la courbure de la Terre. Elles sont difficilement captées au fond du Valais. Et on passe à la dernière question. Notre dernière question. La fente placée dans le cuivre à ondes est remplacée par un obstacle dont nous pouvons faire varier la largeur. Vous voyez bien que notre obstacle est supérieur à la longueur d'onde. De même, par contre, dans cette partie-là, on voit une diffraction. Mais, lorsque la largeur de l'obstacle est plus grande que la longueur d'onde, D supérieur à lambda, les ondes passent de part et d'autre de l'obstacle, mais pas derrière celui-ci. L'obstacle ne diffracte pas les ondes, mais le réfléchit. La largeur de l'obstacle diminue peu à peu. Quand celle-ci devient proche de la longueur d'onde, D est inférieur ou égal à lambda, des ondes circulaires se forment derrière l'obstacle et les constituent l'onde plane en superposant. L'obstacle diffracte les ondes. Cette diffraction sera d'autant plus grande que la dimension de l'obstacle est petite par rapport à la longueur d'onde. Donc, pour le phénomène de diffraction, on peut utiliser une fente très fine ou bien un obstacle dont les dimensions sont à peu près égales à la longueur d'onde. Chers élèves, merci de votre attention et bon courage.